Premier numéro du 7-8 Echo sur TVFIL 78. Merci de nous rejoindre tous les 15 jours. Nous évoquerons une nouvelle thématique et en ce mois de septembre, nous verrons que les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines disposent d'un important vivier de potentiels collaborateurs. Entreprises, les étudiants de Saint-Quentin sont peut-être vos futurs salariés. Voici le sommaire en images. Le 12 septembre, François Hollande était en déplacement à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a visité les locaux d'IFOCOP, l'Institut de formation commerciale permanente, à l'occasion pour le chef de l'État d'évoquer la mise en place du plan gouvernemental 500 000 formations supplémentaires. L'Institut supérieur du management de l'Université de Versailles-Saint-Quentin délivre à travers 7 mentions depuis 2010 des formations de niveau licence et master. Le but de ce pôle permettra à ses élèves d'intégrer plus facilement le monde du travail via sa filière d'alternance. Et en plateau, pour ce premier numéro, Erwan Le Gall, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller communautaire de Saint-Quentin, délégué à l'emploi. On va essayer de voir avec vous si justement, en termes d'emploi, notamment pour les cadres, l'offre coïncide avec la demande. Et puis, il y a l'agglomération qui, justement, vient de lancer, vous allez le voir en image, une grande enquête auprès des dirigeants afin de mieux recenser leurs besoins. Plusieurs rendez-vous sont prévus. C'était donc à Morpa pour ce premier rendez-vous. Quel est l'objectif de cette enquête ? Alors, l'enquête est pour savoir précisément ce que souhaitent les grands comptes et les PME concernant leur recherche de collaborateurs. Mmh. Voilà. Et puis, que ça fonctionne bien sur le territoire entre l'offre et la demande. Cette enquête est vraiment importante puisque mi-octobre, nous allons préparer un grand séminaire avec différents partenaires institutionnels. Donc, ce petit déjeuner plus le questionnaire, vont nous permettre d'alimenter des ateliers et puis aussi de répondre à leurs demandes. Parce que leurs demandes, on a repéré déjà ce matin un certain nombre d'éléments. La semaine prochaine et dans 15 jours, il y aura d'autres petits déjeuners et il y aura encore d'autres demandes. Par rapport à ça, il va falloir réguler, de savoir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui l'est moins. En tous les cas, ce qui est vraiment important, c'est que les entreprises du territoire trouvent chaussures à leurs pieds, si je peux me permettre, par rapport à leurs demandes d'emploi. C'est difficile aujourd'hui, justement, pour une entreprise de trouver des collaborateurs qui résident sur Saint-Quentin-en-Yvelines ? Pas sur toutes les entreprises. Mm-hmm. Il y a des secteurs d'activité, ça fonctionne bien. Quels sont peut-être les secteurs les plus compliqués ? Alors, les secteurs les plus compliqués, c'est tout ce qui est lié à la main-d'œuvre, mm-hmm. Voilà, tout simplement. Et puis, on oublie souvent l'artisan, la petite TPE, la petite PME, parce que PME, ça va jusqu'à 200, 300 salariés. Mais ceux qui ont 5, 6 salariés qui se développent, autour de Morpa, puisque aussi c'est un bassin de vie que je fréquente régulièrement. Vous êtes élu à Morpa aussi, je ne l'ai pas précisé. Non, mais il y a aussi une TPE qui démarre à 3 salariés, qui a une croissance à 8, 9 salariés. Mm-hmm. Il est bien évident que le chef d'entreprise, un temps de recherche d'emploi, c'est 30% sur une semaine. Donc il est bien évident que c'est compliqué pour eux. Donc ils font appel à des aides extérieures, mais effectivement sur des secteurs comme les secteurs marchands de main-d'œuvre pure, c'est très compliqué. Et comment l'agglomération, comment les politiques peuvent justement intervenir pour faciliter cette mise en relation entre les demandes d'emploi et les demandeurs d'emploi ? Alors, vous savez que j'ai une fibre libérale. Alors, vous savez aussi que le politique s'immiscer dans tout ce qui est lié au public, enfin, en tout cas, moi, c'est un peu compliqué pour moi. Mais il faut s'enlever ça de la tête parce qu'il est clairement évident que Pôle emploi ne peut pas tout faire. Pôle emploi sur le bassin de Saint-Quentin a une très bonne dynamique, c'est indéniable. On se croise, on discute, on met des choses en place. Nous, ce que nous devons voir en tant que politique et comprendre, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses, d'acteurs sur le territoire qui font, qui veulent bien faire et qui font bien. Mais vous avez tellement une complexité sur le territoire, de portes d'accès à l'emploi, à l'insertion, c'est que entre celui qui cherche et celui qui demande, on ne sait plus où aller. Je crois que là, on doit unifier notre énergie avec une seule unique porte d'entrée, en collaboration avec Pôle emploi. C'est pas faire en plus de Pôle emploi, c'est pas faire à la place de Pôle emploi non plus. Saint-Quentin-en-Yvelines ne manque pas de centres formation, d'écoles dans des domaines très variés. Regardez cette carte. Tout d'abord, l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, implantée à Guyancourt, à Montigny aussi, qui dispense aussi bien des formations en sciences humaines, en droit, qui dispose aussi de son observatoire de l'atmosphère terrestre. On en a souvent parlé sur notre antenne. Il y a aussi le lycée d'hôtellerie et de tourisme à Guyancourt. Pour le bâtiment, les travaux publics, le CFA, situé sur Trappes, à Voisins-le-Bretonneux, un CFA dédié à l'automobile. Et puisqu'on parle d'automobile, le véhicule de demain est aussi au cœur des enseignements dispensés à l'Estaca, à Montigny.
Bernie, et puis à plaisir, le nôtre, où l'on forme les pâtissiers de demain. On est face tout de même, et c'est un luxe, hein, à une très grande richesse sur ce bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui. Dans tous les domaines. Oui. C'est un atout véritablement pour le territoire. Oui, oui. Alors, c'est très bien, vous avez fait une cartographie. Alors, il manque beaucoup de centres, hein, on en a mis quelques-uns. Hein. Non, mais c'est un clin d'œil, parce que j'ai demandé à Saint-Quentin de me faire une cartographie. Donc on est en plein réflexion là-dedans. Et vous savez que depuis le mois de février, nous avons rencontré au moins plus d'une douzaine de centres de formation. Et ce que vous venez de dire et de citer, j'ai rencontré les directeurs. Je suis allé voir la CCI, je suis allé voir la Chambre des métiers et de l'artisanat. Nous avons rencontré un certain nombre d'acteurs. Et effectivement, c'est très varié. Mais les métiers de bouche, par exemple, n'ont pas les mêmes problématiques que les métiers des nouvelles technologies. Il faut s'adapter à chaque centre. Il faut s'adapter. Et il ne faut quand même pas se leurrer, quand même. Il ne faut pas se mentir. Il y a des pans industriels qui sont en train de s'effondrer. Et il y a des pans industriels qui sont en train d'émerger. La e-technologie, il faut y penser. Voilà. Donc ça, c'est des nouveaux pans de métiers, des nouveaux métiers auxquels il faut vraiment être en veille sur la formation, réellement. Puisqu'on parle de ces centres de formation, les centres de formation qui intéressent beaucoup les politiques, hein, une arme importante contre le chômage, on l'a compris. Il y a donc ce plan 500 000 formations, plan lancé par le gouvernement, voulu par François Hollande, qui a pour objectif d'atteindre le million de demandeurs d'emploi formés d'ici à la fin de l'année. 1 milliard d'euros a été confié aux régions qui travaillent avec Pôle emploi. Afin de faire le point sur ce plan, le chef de l'État était à Montigny-le-Bretonneux. C'était le 12 septembre dernier, dans les locaux d'IFOCOP, l'Institut de formation commerciale permanente. Présentation de ce centre de formation avec Nicolas Kirillov. 250 stagiaires formés l'an passé, 50 intervenants pour une quinzaine de formations métiers. Le nouveau centre IFOCOP est implanté à Montigny-le-Bretonneux depuis septembre 2015, avec pour objectif un retour à l'emploi rapide et pour y parvenir une seule formule magique, 50% du temps en entreprise, 50% en formation. Le format des formations IFOCOP, c'est 4 mois en centre de formation et une application concrète de 4 mois en entreprise. Ça fait partie du cursus de chercher et de trouver son entreprise. Nous, l'objectif, ce n'est pas une formation pour un stage, c'est une formation pour un emploi. Web, digital, gestion, ressources humaines ou encore comptabilité, le choix de formation est conséquent à Saint-Quentin en Yvelines et répond aux besoins des entreprises locales. Peu importe l'âge ou les diplômes, le plus important se trouve ailleurs pour les intéressés. Les plus jeunes auront 21-22 ans. Il est indispensable pour entrer à l'IFOCOP d'avoir au moins un an d'expérience professionnelle. Ça, c'est vraiment le préalable indispensable pour tout le monde. Sur certains métiers, on va demander une expérience professionnelle plus longue, préalable. Sur d'autres, elle pourra être plus courte, mais peut-être compensée par un niveau bac, un niveau bac plus 2, en fonction des qualifications requises à l'issue de la formation. Ce qui est récurrent chez toutes les personnes, encore une fois, c'est vraiment la motivation, la détermination, le projet professionnel et l'adéquation avec le marché du travail, bien sûr. En l'espace d'un an, plus de 200 inscrits à l'IFOCOP de 50 ans en Yvelines ont retrouvé un emploi, un chiffre qui pourrait être amplifié avec le plan 500 000 formations supplémentaires mises en place par le gouvernement. Erwan Le Gall, qui est conseiller communautaire pour l'emploi à 50 ans en Yvelines, ce plan 500 000 formations, il sert à quelque chose ? Alors permettez-moi déjà de vous... C'est très bien que le chef de l'État soit venu à Montigny, mais belle opération de com. Bravo, surtout qu'il a quand même passé 2 minutes à nous expliquer qu'Alstom, il fallait que l'État redresse cette entreprise. Lors de ses déplacements, c'est le dossier du jour, c'était Alstom, oui, effectivement, donc on réagit dessus. Donc c'est plutôt un coup de com que de s'occuper des 500 000. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et puis, le nombre de gouvernements se succède, et puis on parle toujours du plan de formation. Je pense que réellement, il va falloir prendre cette opération à bras-le-corps et s'en occuper. Valérie Pécresse, au niveau de la région, en a pris la teneur et a mis en place vraiment des actions pérennes. Sur Saint-Quentin, nous ne sommes pas habilités au niveau de la formation professionnelle, mais moi, je crois que sur les 500 000 en France, c'est une belle chose. Je pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux que ça, réellement. Et travailler sur du long terme, voir le modèle qui existe en Suisse, en Allemagne, parce qu'il y a des belles réussites, et c'est gagnant-gagnant. Enfin, je n'ai pas le temps là d'expliquer, mais une entreprise qui prend un apprenti, et là c'est de la formation continue, c'est encore autre chose, de toute façon, l'entreprise est gagnante puisqu'elle a formé un jeune qui derrière aura un emploi normalement dans la même entreprise, et puis après il vaudra de ses propres ailes. Voilà. Puisqu'on parlait de formation, on va faire une escale à présent à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, où se trouve l'Institut supérieur de management de l'université. Ça délivre à travers 7 mentions depuis 2010 des formations de niveau licence et de niveau master. Haussmann van der Dey, Camille Lambert.
Elodie, 34 ans, est l'une des 1300 étudiants de l'Institut supérieur de management. Après une dizaine d'années en tant que directrice de magasin, la jeune femme a décidé de se tourner vers une carrière de DRH. Sans expérience dans le domaine, sa seule solution était de reprendre ses études en alternance et la jeune étudiante ne regrette pas son choix. Très très positif, je savais que la charge de travail serait assez intense, donc j'étais préparée psychologiquement, voilà, en plus du fait de reprendre les études après 10 ans. Mais bon, ça m'a pas fait peur, je pense que quand on est motivé, qu'on a un projet vraiment en tête, on fait abstraction des contraintes et puis voilà. Avec un taux de chômage de 23,4% chez les jeunes de 15 à 24 ans, l'apprentissage est un axe primordial de la politique du gouvernement de François Hollande. C'est aussi une demande des entreprises qui souhaitent que les étudiants aient déjà une expérience professionnelle à la sortie de leur cursus. Une demande à laquelle répond l'ISM depuis maintenant 6 ans. Certains de nos étudiants peuvent faire 3 années d'expérience professionnelle. Donc ce qui les rend effectivement particulièrement ensuite bien placés pour pouvoir être recrutés. Et pour les entreprises, ça permet justement de former des jeunes. Et ensuite, c'est une genre de pré-embauche parce qu'ensuite, ils peuvent garder ceux qu'ils identifient comme étant suffisamment bons, suffisamment adaptés à ce dont ils ont besoin. Et les entreprises sont plutôt satisfaites. Sur les 500 entreprises partenaires de l'Institut supérieur de management, plusieurs étudiants en alternance sont recrutés directement à la sortie de leurs études. Et pour conclure sur cette thématique du jour, la question était offre d'emploi, demandeur d'emploi, est-ce que ça match à Saint-Quentin? Est-ce que ça match? Oui, ça match. Ça match? Ça marche bien? Oui, ça marche bien. Maintenant, on doit aussi être vigilant sur l'avenir. Voilà. On a un état de fait, on a fait un constat sur le présent. L'avenir, il y a les métiers d'avenir. Il faut être vraiment, faut faire une GPEC sur le territoire. Voilà. Merci d'être venu pour ce premier numéro du 7-8 Echo. Nous passons maintenant à l'agenda de la quinzaine. Trois dates à noter dans vos agendas. Tout d'abord, le cycle d'ateliers de co-développement qui se poursuit à la Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines. Prochain rendez-vous le 19 septembre de 18h à 20h. Autre atelier, cette fois-ci sur le développement de la gestion financière. Ce sera le jeudi 22 septembre de 9h30 à midi à la maison de l'entreprise à Montigny-le-Bretonneux. Puis nous en avons parlé aujourd'hui, l'opération Saint-Quentin à l'écoute des dirigeants des DRH. Jeudi 22 septembre de 8h30 à 10h à la maison de l'emploi de Plaisir, dirigeant DRH qui échange avec les responsables de l'agglomération pour faire connaître leurs besoins. Il y en aura d'autres, des rendez-vous organisés dans les prochaines semaines. Prochain 7-8 Echo, ce sera le jeudi 29 septembre. Il sera question de l'automobile. Le mondial de l'automobile s'apprête à ouvrir ses portes à Paris, de Mercedes à Renault en passant par Fiat. La plupart des grands groupes sont implantés à Saint-Quentin, en Yvelines, et ils se préparent pour cet événement. À très bientôt sur notre antenne.